Et présenter votre collectif qui est SOS Racine. Bonjour, alors moi je suis le responsable étudiant de la section lyonnaise de Action Française. On a participé à une action qui est l'action du collectif SOS Racine. SOS Racine, c'est un collectif qui vise à défendre le patrimoine local et le patrimoine français, historique et aussi culturel de la France. Quel était le but de votre action hier ? Alors notre but d'abord, c'était d'alerter les Lyonnais sur le problème que subit actuellement le musée des tissus, qui va certainement fermer, à moins qu'on arrive à une solution politique, pour savoir qui va régler la note, qui est de 2,5 millions d'euros pour le sauver. Actuellement, les propriétaires, c'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, et l'État. Il y a des conflits partisans entre l'État, la région, la ville, et tout ça, pour savoir qui va régler la note pour payer les 2,5 millions d'euros, en sachant qu'à Lyon, on a eu le musée des Confluences qui a été créé, un musée un peu style Quai d'Orsay, une horreur architecturale qui est faite aux Confluences, qui a coûté 300 millions d'euros. Et du coup, c'est 150 fois plus qu'ici, on a un musée enraciné qui est sur l'histoire traditionnelle de Lyon que personne veut financer. Quels sont les conflits politiques et économiques sous-jacents ? Alors déjà, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, je vous ai déjà dit qu'elle était propriétaire, eux sont aussi propriétaires de 25% des parts de l'aéroport de Saint-Exupéry. Alors, en quoi ça nous intéresse ? Parce que le président de la Chambre de commerce et d'industrie a annoncé qu'ils vont être obligés de vendre les 25% de leur part de l'aéroport. Ce qui veut dire que l'État, la ville, le département et la région, personne ne participe pour payer la note, parce qu'ils attendent juste, on a des conflits économiques importants, des acteurs privés qui font pression sur les acteurs publics pour forcer la Chambre de commerce à payer, et pour payer, elle va devoir vendre ses parts et du coup privatiser l'aéroport. Donc nous, le collectif SOS Racine, on lutte pour que la CCI garde ses parts et que ce soit les acteurs publics qui participent à payer juste 2,5 millions d'euros. Ça paraît une grosse somme, mais quand la ville et d'autres acteurs arrivent à débourser 300 millions d'euros pour le collectif, pour le musée des Confluences, c'est rien du tout. À savoir que cette haine, on va dire, et ce refus de participer pour la ville, de participer au financement d'un musée local lyonnais enraciné, ça nous rappelle des heures assez tristes de l'histoire lyonnaise, notamment 1793 à Lyon, où on a eu des gouvernants, des chefs, des maires de la ville de Lyon, qui ont fait tout pour détruire le petit peuple lyonnais. Notamment, on a eu le Joseph Chalier, etc., et des massacres à Lyon. On est passé à Lyon de 150 000 habitants en 1789 à 80 000 en 1800. Donc il y a eu des massacres et des fuites du peuple lyonnais. Et en fait, on voit que cette logique-là
des maires contre la population, elle est continue. Ce qui fait que, même encore maintenant, on est dans cette matrice, qui est une matrice républicaine. On a des crises entre le public et le privé. On a des pressions entre le petit peuple et des acteurs privés puissants. Et on voit vraiment qu'on est dans cette matrice du règne de l'argent pour laquelle le collectif SOS Racine et l'Action française luttent activement. Merci.